Aujourd'hui, on parle pas de quelque chose de gentil. Non. Glenn Close, da Fatal Attraction, 1987. Ok, en français, Liaison Fatale. Celle qui a donné des cauchemars à pas mal de mecs. Pourquoi j'ai choisi elle? Parce que, dans le fond, elle est vraiment une victime. Lui, il couche avec elle, il dit, fuck you, j'ai une femme. Tant pis pour toi. Pouf, petite fille. Oui, c'est ça. Mais non, mais là, comment elle a fait? Elle fait bouillir un lapin, là. Le lapin. Oui, ça, de c'est la horrible. La fille innocente du mec. Oui. Mais le mec, si tu mets pénis à quelqu'un, ben, il faut rester là. Je dis pas le contraire. C'est ça. Pas le contraire. C'est comme ça. Mais bon choix, écoute. Oui. J'aurais jamais pensé à ça. Hein? Et pourtant, elle m'a traumatisé à une certaine époque. Oui, sa performance est fucking cool. Mais tu connais la mienne? Oui. Alors, en 10e position, mais je trouve ça absurde. Je suis pas d'accord avec mon propre choix. Non, je suis pas d'accord. Jack Torrance. Come on, numéro 10. The Shining, interprété par l'immense Jack Nicholson. Écoute, c'est une de mes performances préférées de méchant du cinéma de tous les temps. Mais... est-ce qu'il est méchant? Non! Il est possédé par le mal de l'overlook, ok? Il avait des problèmes, il était alcoolique, c'était un artiste frustré, il voulait être écrivain. Il avait le potentiel pour péter les plombs, mais s'il n'avait pas été dans l'overlook, est-ce que tout ça serait arrivé? Non! Alors, c'est un méchant de circonstance, hein? C'est un mec ordinaire qui est devenu méchant. Mais pour la performance hallucinante de Jack Nicholson qui a jamais été égalé au cinéma. Écoute, c'est la performance parfaite. Ce Jack Nicholson est un démon, n'est-ce pas? Oui, j'ai fait numéro 9. Ah oui, donc. Numéro 9, ok, c'est The Monstre, Le Monstre, 2003, avec Charlize Theron. Yes! Ouais, ça, sexy bitches. Mais écoute, sa performance est fucking cool, tu comprends? Elle est sexy, elle choisit des monstres, tu comprends? Parce que cette film, ok? C'est la vraie histoire, oui, c'est la vraie histoire, tu comprends? Ouais, c'est une biopic. Le nom de femme, la vraie femme, c'est Aileen Wuornos. Ouais. Elle a tué... quand même beaucoup d'hommes, oui, mais je pense que beaucoup d'hommes méritaient parce que, désolé, ils essayaient de violer, mais tant pis. Elle avait ses raisons. Au début. Oui, au début. Je pense qu'elle a perdu contrôle à un moment donné. Mais parce que, tu comprends, à un moment donné, elle en voulait à tous les hommes. Oui. Mais on la comprend. Oui, oui, on comprend. Mais c'est comme on arrête de l'approuver à un certain moment donné. Oui, c'est ça. C'est mon livre, mais j'adore. Ah, Charlize Theron. Excellent choix, bravo. Ok, c'est ton choix. Ouais, ça va t'étonner comme choix, je pense. Oui? Ouais. Jerry Dandridge. Dandridge. Ouais, le vampire le plus cool du cinéma. Et je vous défie de me contredire là-dessus. Je vous défie. Oui, c'est évidemment dans Fright Night. L'original Fright Night de 1985. Évidemment, hein? Pas le remake complètement raté, hein? Mais le vrai Jerry Dandridge, par Chris Sarandon. Écoute,
Il y a des scènes inoubliables, hein? Il est tellement cool, ouais. Mais en même temps, pour moi, c'est même pas un vilain. Mais évidemment, mais non, il est pas vilain. Ouais, mais il tue des femmes, quand même. Mais parce qu'il doit manger quand même, oui, non? Oui, 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 on n'est-ce peut pas? Argumenter là-dessus. Est-ce que les vampires sont des vilains ou est-ce que c'est... Bon, ouais, OK. Mais il est tellement... Pendant la Twilight. Il est tellement charismatique. Puis en plus, il est honnête. Hein? Je oui. m'excuse, mais c'est un tueur honnête. C'est vrai. Il avertit... C'est vrai. Comment il s'appelle? Charlie. Ouais. Il l'avertit, il dit, ouais. Je te donne le choix, déconne pas, là. Ouais. Il aurait pu... Il le tenait par la gorge, ouais. J'aurais pu le tuer de ouais. même. Exactly. Il dit, je te donne le choix, tu me laisses tranquille. Ouais. Ou bien, la guerre, hein? Ouais. Il est honnête. Il est honnête. Exactly. Lui, il voulait juste continuer à vivre et qu'on le laisse tranquille. Numéro 7. Mm-hmm. Non, désolé. 8. Numéro 8, OK? Oui, hey. Ouais, ça c'est un peu... controversé. Surprenant peut-être, mais c'est Autopsy of Jane Doe, 2016, OK? L'autopsie de Jane Doe. Le nom de l'actrice, Orwell Kelly. Ouais, le nom de fille, bien sûr, c'est Jane Doe. Mais ça y a pas plus de temps à prendre ses répliques, hein? Non, pas beaucoup. Je pense pas. Non. Mais c'est pas. Aucune réplique. Mais écoute, alors, c'est pas facile. Mais non, mais c'est incroyable. C'est vrai, oui. C'était vraiment bonne performance. Mais pourquoi est-ce j'ai choisi. Je dois parler. Ok, oui. Pourquoi j'ai choisi la 8e position? Ouais. Parce qu'elle était torturée, tu comprends? Ouais, c'est une victime. Hey, désolé, ok? Je parle à tous les cons qui pensent que les sorcières sont vraies. Les cons ont tué et torturé les enfants, ouais. Les filles et les gars et tout. Ils ont brûlé et noyé ouais, et mais... torturé tout. So, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a parallèle pour whatever, pour menstruation. Mais avant, c'était une petite fleur que tu mets dans le thé. Et il dit, oh sorcière, c'est sorcière. Est-ce que tu toussais? Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu bois le thé avec les plantes dehors. Et il dit, oh, c'est aussi sorcière. Mm-hmm. Of course, espèce de crétin. Mais c'est ça. T'as dit des choses oui, un peu mais alors, elle est méchante, oui. Mais qu'est-ce que... Est-ce que j'ai le droit de dire qu'elle est sexy? Oui, elle est très sexy. Elle est plus que sexy. Oh my God. Oh my God. Elle est en plus, elle bouge pas. Imaginez si elle bougeait. Je dis, hein? Alors... Numéro 7. Wait. Ça va t'étonner, ça aussi. Mm-hmm. Kramer! T'es sérieux? Mais non, pas ce Kramer-là. De quoi tu parles? John Kramer. Jigsaw. Ah, oh, c'était pas sérieux. Jigsaw. Il pense que Jigsaw, il est méchant. Ben, come on, là. Come on, il donne le choix. Non, mais come on, il kidnappe des gens. Okay. Des gens maléfiques et crétins. Des gens innocents. Non! Ils sont innocents. Come on, elle était fucking droguée aussi. Ah. Alors, il donne le choix. C'est tu drogues et tu meurs ou tu sortes et voilà, tu changes. Il faut que je vous dise, OK? J'aurais pu le mettre plus haut, OK? Parce que quand même, c'est un méchant important dans le cinéma. Mais, la torture porn, c'est pas mon style, hein? Moi, là, j'aime ça, là, des tueurs comme Myers, Voorhees. Check, fini. Ouais, ça c'est slash. Pas de torture, ok? L'efficacité, check. Ouais, sauf que lui, il torture à personne. C'est eux qui torturent eux-mêmes, tu comprends? On peut argumenter toute la nuit là-dessus, ok? Disons qu'il y a ses raisons, hein? Il y a comme un message à passer. Ben, il joue le dieu, oui, ça c'est con. Mais sinon, désolé. Mais moi, c'est surtout pour le premier. Mais en fait, moi, je trippe juste sur ça, le premier. Je sais, toi, t'es aimes tous. C'est bon, mais le premier se suffit à lui-même. Et c'est surtout là, à la fin, quand John Kramer se lève debout. C'est tellement inattendu! Il était là dans le champ de vision, on le voyait depuis le début! Ouais! Il jouait le mort avec son maquillage et tout. Ah, oh, ben là, on est en train de spoiler méchamment en tabarnak. Ah, comment tout le monde connaît ça? Mais le premier m'a marqué, et le personnage de Jigsaw m'a marqué dans ce premier film. Et puis c'est pour ça que je le mets dans ma liste. Voilà. Mm-hmm. Cool. OK. On get serious, OK? Little more. Well, mon numéro 7, OK? C'est... Ouais, Get Out. Mais non. OK, de quoi vous pensez? Elle? De la fille? Non, moi je parle de la mère, OK? De Catherine Keener. Sa mère s'appelle, OK? Missy Armitage.
Armitage, I don't know. Missy Armitage. Avec sa tâche. Parce que, vous comprenez, elle est méchante parce que elle torture les noirs, ok? Pourquoi d'enfants, si? Parce qu'ils sont meilleurs que nous? Oui, ils sont meilleurs que nous. Elle est tellement arrogante, tellement confiante en elle-même. On a le goût de. Ouais, c'est ça. On peut pas parce qu'avec sa petite cuillère, elle va faire tchigading, tchigading. Sleep. Elle est en parfait contrôle. Elle est inatteignable, mais sauf que non, mais on pense que. Ouais, c'est un bon choix. Puis, je sais pas si vous savez, ça c'est un spoiler si vous savez pas, mais parce que il y a une petite rumeur sur Internet qui dit que. Elle fait peut-être quelque chose à sa fille. Peut-être sa fille est hypnotisée aussi depuis de la petite. Ouais, c'est une théorie que j'ai vue. J'aime bien. C'est un fucking bitch, that's it. J'aime bien croire à cette théorie. Ouais, c'est ça. Je m'en fous si c'est vrai ou pas, j'aime ça. Ouais. Alors regardez cette film si vous n'avez pas encore vu, ok? C'est Get Out 2017. Bang, bang, bang. À mon tour? Oui. En numéro 7, hein? Mm-hmm. Tu parlais de Jane Doe tantôt. Ben moi, je vais parler de John Doe. Quoi? Le tueur dont on ne sait rien dans Seven. Oh! Ouais, ça c'est vraiment bon choix. Bon, c'est une performance parfaite de Kevin Spacey, qui lui-même est assez creepy. On le voit plus pour d'excellentes raisons. Ouais. On le verra plus, mais ça c'est une autre histoire. C'est vrai. Ah, c'est une autre histoire. Écoute, il est creepy. Sa présence à l'écran, qui doit totaliser quoi, 10 minutes au maximum? Ouais, à peu près. C'est incroyable. Pendant tout le temps où il occupe l'écran, même de loin derrière, dans le passager arrière de la voiture, là, il est menaçant. Puis pourtant, il est en parfait contrôle, parfaitement calme. Oui. Il a pensé à son affaire pendant au moins un an, je pense. Même plus. Ouais, parce même plus, oui. Alors, tout est timé, tout est parfaitement synchronisé, planifié. Il est en contrôle, il est creepy et il est persuadé qu'il a raison. Parce que, rappelons, je pense que vous l'avez tous vu, mais il est il pense avoir une mission divine, hein, qui a été donnée par Dieu, de punir les pécheurs. Et il y en a, des pécheurs. Oui. Et lui, il est persuadé qu'il a raison. Et on peut mais pas, il a raison. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'à quelque part, il n'y a pas tort. Jusqu'à la dernière victime. C'est ça. Oui. Moi, je vous l'ai dit, moins on en sait sur le tueur, mieux c'est. Et on ne sait absolument rien. Il n'a pas d'empreinte digitale, mais il n'a pas de passé, il n'a pas d'identité. Oui. On ne sait rien. Exactement. Parfait. Mais oui. Bon, mon numéro 6, tu veux savoir c'est qui? Non. Mais oui, je brûle d'envie de savoir. C'est Orphan 2019. Ou en français... Esther, oui. En français, c'est Esther. C'est stupide, désolé. Non, ça dépend. En France, c'est Esther. Ouais. Ou au Québec, c'est L'Orpheline. L'Orpheline, oui. C'est ça. Mais... Puis le nom de l'actrice, Isabelle Furman. Isabelle Furman, OK? Fermont. Bien sûr, elle s'appelle Esther. Évidemment. OK. Pourquoi elle est méchante? Ok, fuck you all! Ça, c'est un spoiler! Parce que elle n'est pas une fille innocente! Non! Elle a tué bien des familles parce qu'elle veut juste coucher avec les hommes! Elle sacrifie les enfants et des femmes! Tue tout le monde et couche avec les hommes! That's it, c'est son bout! Elle a 33 ans, tu comprends? Ça, c'est un spoiler, désolé! Mais pas vraiment, je suis ma Chris! Si je peux apporter quelques précisions intéressantes, c'est basé sur un fait réel. De mon pays. Une certaine, une tchèque, Barbara, dis ça. Barbara Shklova. Ouais. Alors, c'est une vraie femme de 33 ans qui souffrait de la même condition physique que le personnage du film. Et elle était accusée de plusieurs crimes divers, mais... le plus intéressant, c'est qu'elle se faisait passer d'abord pour une fillette de 13 ans, ensuite pour un garçonnet du même âge. Oui. Ouais, oui. Ouais, ouais. C'est quoi ton 6? Lui, là. Oh my goodness! Jason Voorhees. Il y a au moins 11 films, hein, sur lui. 12 films. Ouais, même 35, c'est ça. Qu'il met en vedette. Même pas 13. Friday the 13th, même pas 13 films. Non, il y a 35 dans le fond.
Alors, Jason Voorhees, c'est une innocente victime au début, hein? C'est un petit gars tout difforme, ouais. Hydrocéphale, mongol, il a toutes les ouais, mais si sa mère ne couchait pas avec son père, ben peut-être il va être normal. Il se fait persécuter par les autres, puis il est noyé, il est-tu mort, il est-tu pas mort, c'est pas clair. Alors moi, j'ai grandi sur ces films. C'est mon idole, Steve. Je sais, c'est pas cohérent, c'est n'importe quoi. Je m'en fous. Je trippe de le voir trucider les jeunes horny, débiles, qui pensent juste au sexe et à la drogue. Oui, monsieur, ça me fait tripper, moi. J'aime ça. OK. Maintenant, tu vas aimer vraiment la méchante. Tu vas aimer. Parce que mon numéro 5, it's Misery, 1990. Mais c'est pas le nom du personnage. Oui, ok. Nom de l'actrice, c'est Katie Bates. Comme Bates Motel. Yes, exactly. Ok. Et le nom du personnage, c'est Annie Wilkes. Elle est très gentille. Elle s'occupe des petits bébés qui ont les jambes du petit. Mais si lui, il veut partir, mais elle prend les cheveux de j'aime encore le plus méchant Chris! Elle, si. Chris, quand l'heure de la nuit, hein, il dort paisiblement, puis il réveille. Pourquoi tu tues Misery? You don't want to kill Misery! Go, Missy, go! Ça va t'étonner encore. Freddy Krueger. Oh my god! Il maîtrise. Les rêves. Écoute, il n'y a pas... Y a-tu pas plus cool que ça? Un tueur dans les rêves, dans les cauchemars, qui tue pour vrai dans la réalité. C'est tellement cool, il est tellement drôle, et il y a tellement de fun à tuer. Mm-hmm. C'est irrésistible. Oui. J'adore. Numéro 4? Je crève. Hey, numéro 4? Oui. C'est un fucking Jesus freak! Ah. Oui, The Mist, 2017, ok? Le nom de actrice, Marcia Gay Harden. Elle joue Mistress Carmody. Madame Carmody. La crise de folle dans oui. Mist, oui, elle est... Fucking bitch! Elle veut tuer l'enfant de le héros. Elle ce veut personnage tuer son enfant. Intéressant parce qu'elle est dangereuse à cause de son magnétisme. Oui. Parce qu'elle est toute seule au début, toute seule. Oui, toute seule. Ensuite, elle a sa secte. Oui. Hein? C'est un secte. Elle lave le cerveau d'une une bonne partie du magasin. Je pense la moitié du magasin. Oui, c'est ça. Quand elle est comme ça, elle a dit... You see? They don't want to kill me. They don't want to kill me. Yes, peut-être parce que t'étais pas en crise aussi, qu'il est à côté de toi, les animaux débiles, et ils parlent parce que tu paniques pas comme grosse vache, mais tes grosses vaches de putain de merde. Ça va, calme-toi. Oh my god, calme-toi. Mais écoute, moi j'ai... Jesus freak! Elle qui croit en Jésus, ok? Elle pense qu'elle va aller en haut, ok? Avec le Jésus et tout ça. Elle veut tuer un enfant innocent. Tu penses que c'est correct? Tu penses que c'est correct, les grosses vaches? Vraiment? Tue un enfant qui est innocent? Sans vouloir spoiler, là, il y a un bout, là. Ouais. Enfin! Quand elle ferme sa gueule, enfin. Mm-hmm. Ça arrive tard dans le film, mais c'est jouissif. Ouais. Alors. Mm-hmm. Numéro 4? Oh mon dieu! Si je te dis John Ryder. Hein? John Ryder? Mm-hmm. C'est qui? L'autostoppeur. Oh! Hitcher! Ok. Avant que tu commences à parler, encore une fois, remake à chier! Non, c'est vrai. Ok. Encore une fois, mm-hmm. Un tueur dont on ne sait absolument rien. Ouais, c'est encore pour creepy. Je pense pas que John Ryder soit c'est son vrai nom, mais c'est le nom qu'il donne à l'ado qu'il choisit de tourmenter pendant tout le film. Personne ne connaît sa vraie identité. Il n'existe pas. Mm-hmm. Qui est-ce? On le sait pas. Mais on s'en fout parce que c'est ça, la magie du personnage. Et le charisme de cet acteur, c'est incroyable. C'est le meilleur psychopathe, juste physiquement, son regard et son sourire énigmatique. Il me fait capoter. Mais, Colis, c'était vraiment bon choix. Hein? Oui. Oui. OK, numéro 3. Ouais, tu vas être
13, ok, Vendredi 13, l'original, ok, l'original, Pamela, sì, 1960, Pamela, Pamela, Pamela Voorhees, oui, l'actrice Betsy Palmer, c'est la maman de Jason, mais oui, oui, ah. Ok, elle a peut-être, c'est parce que tout le monde veut coucher avec tout le monde, l'amour mais de c'est Ado veut c'est... coucher avec quelqu'un, oui, c'est l'amour d'une mère, oui, j'ai compris que eux qui laissaient noyer son fils, ok, mais... Ils étaient censés le surveiller, c'était les moniteurs du camp de vacances. Oui. Et ils faisaient l'amour au lieu de le surveiller, le pauvre Jason qui se noyait. Oui. Elle a un peu raison. Non. Pourquoi elle n'a pas de raison? Elle est méchante parce qu'elle tue des enfants, ben des ados. Elle n'a pas de raison. Parce que, premièrement, ok, son fils se noyait à après-midi. Tu ne couches pas avec quelqu'un après-midi quand tu dois travailler, premièrement. Qui est... Elle tuait les ados qui couchaient ensemble dans la nuit. Dans la nuit, les enfants, ils dorment. Alors, les enfants dorment, les ados, ils couchent ensemble. Les enfants dorment, les ados couchent ensemble et boivent l'alcool. Mais c'est ça. Alors, pourquoi tu tues, grosse vache? Numéro 3. Docteur Hannibal Lecter. Oh, putain, gueule, t'es pas sérieux. Quoi encore? Il pense qu'il est méchant. Ben oui, c'est pas normal de manger du monde là-dessous, là. Le monde méchant, encore une fois. Il mange le monde méchant. Écoute. Réveille. Écoute, c'est un cannibale. C'est un tueur en série. Et moi, j'ai lu le livre, OK? Ben, les livres. Oui. Dans Le silence des agneaux, il prend un malin plaisir à manipuler la pauvre recrue du FBI, Clarisse. Beaucoup plus que dans le film. Oui. Okay? Il joue avec elle d'une façon cruelle et il prend son pied. Il est un méchant. Il est un psychopathe. Ouais, okay, mais... Ça, c'est horrible. Je suis d'accord. Mais il est tellement charismatique. On a envie d'être lui. Moi aussi, j'ai envie de manger le monde. C'est ça. Après avoir vu le film, je voulais savoir qu'est-ce que ça goûtait. Ouais. On a envie sa liberté d'être ce qu'il est. Il n'y a aucun remords, lui-là. Il est gentil, c'est simplement ça. Psychologiquement, il est supérieur à tout le monde. Et il prend tellement de plaisir à faire ce qu'il fait. Je l'envie. OK, on approche la fin. Mon numéro 2, c'est Dr. Sleep 2019. Nom d'actrice... Rebecca Ferguson, et le nom de fille, ok, ou de femme, ok, dans le film, oui, c'est Rose the Head. Hey, hello! Avant que je parle de son méchanté, je veux dire que tu comprends qu'elle est assise, puis elle fait tout le temps. Je sais pas de quoi tu parles, j'ai pas remarqué. Regarde, à peu près comme ça. C'est toujours pas de quoi tu parles. Ben, je parle de Toto. En tout cas. OK. En tout cas, pourquoi elle est méchante? Elle est la plus méchante de toutes, presque. Ouais. Et presque parce que c'est numéro 2, OK? Mais Chris, elle torture le petit baseball guy. Ouais. C'est horrible. Elle se pense invulnérable, inatteignable et tout elle ça. Elle est plus humaine. Elle est un monstre. Et pourtant, elle se fait presque battre par une fillette, mais ça. Ben, parce que la fillette est encore plus forte. Trop d'arrogance. Intelligente. Trop d'arrogance. Mais oui. Ouais. Beaucoup trop. Oui, c'est la plus sexy bitch de toute ta liste. Oui. Mais on aime beaucoup quand elle souffre. Quand son équipe est mourir, tu sais. Quand l'équipe mourait tranquillement, elle souffle fucking beaucoup. Yes, pas comme dans l'hôtel à la fin. Hein. Dans l'hôtel à la fin, c'est comme vite. Décide, bye, elle est morte. Non, souffre, pétasse. OK, il faut que je me calme. Numéro 2. Alors, un indice. It's not me. It's Joker! Le Joker! Mais quel Joker? Ben bien sûr, celui de Dark Knight. Non. Interprété par Heath Ledger. J'en reviens encore au fait qu'on ne sait rien, de rien sur lui. Il se fait arrêter, ils ont rien. Aucune empreinte,
aucun indice sur son identité. Qui est ce bonhomme? Oui. La performance de Heath Ledger, j'ai rien à redire, on l'a tous dit et redit, on en a trop parlé, mais écoute... Puis après, il s'est suicidé à cause de ça. Non, c'est pas à cause de ça. Ah, je sais, je te niaise tout le temps. C'est un mélange malencontreux de médicaments pour dormir parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Oui, c'est vrai. Mais écoute, Gotham est une ville tellement corrompue, hein? Je pense que quelque part, il rend service aux citoyens, le Joker. Oui. Et il est plus juste que les politiciens au pouvoir dans la ville. Oui, exactement. Et il remet... Ils s'accolissent de l'argent. Et il teste Batman. Il joue avec. Est-ce que Batman est si parfaitement bon? Le film montre qu'il a ses faiblesses. Oui, c'est ça. Et le Joker souligne ses faiblesses. Mais il ne teste pas juste le Batman. Tu te rappelles le débat? Il teste même les humanités. Si les humanités se fuck up, like what the fuck, ou l'humanité est quand même un petit peu espoir. Numéro 1. Ok. One flew over the cuckoo's nest. Ou en français, vol au-dessus du nid de cuckoo. Tu comprends? Ça va bien? Ça? Oui, ça va bien. C'est Louise Fletcher. Okay. Mildred Ratched. Mildred Ratched. Pourquoi elle est à première? Il faut que je vous explique. Parce que, regardez sa face et sa performance dans le film. Elle joue que elle veut aider tout le monde. Mais fucking bitch, comment tu veux aider les autres si tu juste... Tu prends ton pied comme ça, mais gentiment, avec ton sourire, c'est ta putain de face! Je sais pas si c'est une psychopathe qui se cache derrière... Il y a un bonhomme, puis elle fait... Elle se cache derrière le système, parce qu'elle justifie toutes ses actions, elle dit c'est pour le bien des patients. Non. Évidemment, pas vraiment. C'est faux. C'est la reine des manipulatrices. La reine des manipulatrices psychologiquement, elle est très forte. Elle est vraiment forte. Ouais. Bon. D'accord. Je veux pas spoiler, mais tabarnouche qu'on aurait pu être content, hein? Oui. Une certaine scène. Mais non! Hostie de Christ! Mais non, je vous spoil pas, mais ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. En fait, c'est un... le Tsunami Coucou, c'est simplement un drame. Mais le personnage de Miss Ratched est tellement diabolique et tellement fascinant qu'ils en ont fait une série télé. C'est pas peu dire comment que ça, ça y est, ça, ça a marqué l'esprit des gens. Psychopathe, il a disparu. Psychopathe, allô, t'es où? Oh non. Non, mais comprends-tu, psychopathe, que moi, là, je suis Laurie Strode. Je suis un fucking Laurie Strode. Tu veux m'effrayer? Tu veux m'effrayer avec Michael qui peut pas mourir d'enfant? Joue avec moi, bitch! Ça revient encore une fois sur le fait qu'on ne sait rien de ce personnage. Rien du tout. À part peut-être qu'à 6 ans, il a pété les plombs et il a trucidé sa propre sœur juste après qu'elle ait eu une relation sexuelle. Et on peut imaginer le trauma, je sais pas, on sait rien de lui, rien. Mais tant mieux. Ils ont tenté d'expliquer le personnage par la suite dans des navets, les suites les plus mauvaises les unes que les autres. Il faut jamais expliquer. Mais ça marche pas. Non. Plus on essaie d'expliquer pourquoi il est evil, plus on se plante. Ouais.
Écoute, là, j'ai tellement peur de Halloween Ends qui s'en vient. Je le sais qu'ils vont encore faire leur rang d'expliquer. Ils vont expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui va pas. Et ça va. Ça marchera pas. Je m'attends au pire. OK? J'ai beaucoup aimé Halloween 2018. J'ai quand même aimé Halloween Kills, même si tout le monde est déçu. Pour moi, c'était jouissif. Parce que mon personnage trucidait du monde de façon efficace et brutale, et c'est ça que je veux. Mais je veux pas d'explications. Je ne veux pas de vos explications de merde. Je veux qu'il se reste un mystère. Michael Myers is good. Michael Myers est un mystère. On ne sait même pas s'il est vraiment humain. Et c'est parfait comme ça. Oui. Voilà. Comme moi, on ne sait pas si je suis humain. C'est vrai, hein? Je veux vous hanter dans votre rêve. Pour ceux qui nous découvrent en ce moment, c'est peut-être pas clair, mais en fait, je suis peut-être un psychotique. Peut-être qu'elle n'existe que dans ma tête. Peut-être pas, je sais pas. Je me rappelle pas. Peut-être que c'est ma conjointe. Je sais pas. Moi, je suis un fou. Si tu as des fous. Alors voilà, ce qui conclut notre chaotique liste des meilleurs méchants et méchantes du cinéma. Je pense qu'on a fait un bon travail quand même. On fait vraiment bon travail. On n'était pas du tout préparés, je pense que vous avez pu voir. Ça, c'est pas grave, on est quand même... Abonnez-vous! C'est clair? Hein? Mettez la pause bleu, pas brune, unless on est de la merde. Puis, à la prochaine. À la fucking prochaine!